Ah frérot, si tu fais comme la dernière fois, y'a pas moyen. On t'a tous vu, menteur. Bon, il s'est rien passé la dernière fois. Qui a vu quoi? Ses grosses oreilles. Sa grosse calvoche. Bah, il s'est rien passé, personne n'a rien vu. Bah, j'avais juste un peu bu, ça va, non? Ah, c'est déjà très chaud ici. Steph, tu sais que vendredi soir, personne n'était malade. Alors comme si on n'a pas été malade. Moi non plus, je suis jamais malade. On va dire, personne ici n'est jamais malade. Non. Pas vrai? Non, non, non. Évidemment que personne n'a jamais été malade. Parce que personne ne boit jamais. Bon, vous venez à la soirée chez moi samedi? Pourquoi on ne viendrait pas? Bah frère, ça peut arriver de rater une soirée, non? Mais vous avez pas un match maintenant? Si, si, si. Oui, mais c'est jamais arrivé. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on ait raté une seule fois une soirée? Non. Non. Non, 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 non. Parce que les gars, s'il y a teuf, il y a du teuf. Steph, c'est le gars populaire. Il est drôle, blagueur. Tout le monde l'aime bien. Et puis en plus, on était toujours contents de le voir aux soirées. Il faisait jamais d'histoire. C'est pour ça que personne n'a compris. Steph, t'es sérieux? Tu veux vraiment pas aller à la soirée? Je sais pas. On joue tôt dimanche. C'est un match important. Mais ils sont derniers. On va les massacrer, hein. On sait jamais. Regarde la saison dernière. Eh, hey, mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Si on n'y va pas, ils vont tous avoir le seum. Tu crois pas qu'on devrait arrêter de boire? On n'a rien bu la dernière fois. On a bu quoi? Deux verres maximum? Avec deux verres, même le lendemain, j'avais la tête dans le cul. Mais heureusement, est-ce que t'as vu ce qu'on leur a mis? Dans tous les cas, si on y va, on boit pas. T'es sérieux? Non mais mon pote, s'il y a teuf, y a titeuf. On boit un peu dans les fêtes, c'est vrai, mais c'est pas méchant. Titeuf, c'était pas le dernier, mais il avait jamais posé problème avant. Titeuf, c'est pas son vrai nom, mais il avait une mèche, comme dans la BD. Tout le monde l'aimait bien, Thibaut. On comprend vraiment pas comment ça a pu arriver. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'était les meilleurs potes du monde. On les a jamais vus se prendre la tête. Thibaut a cru qu'il draguait sa meuf ou je sais pas quoi. Et il a pété un plomb. Mais l'autre, il avait rien fait. Il aurait jamais fait ça. T'aurais pas vu les clés de ma voiture? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va, je voulais juste un petit coup avant d'aller à la soirée. Ouais, comme la dernière fois. On en a déjà parlé, on s'est expliqué. Je me suis même excusé. Tu veux quoi de plus? Mais rien, je veux rien. Tout le monde t'attend, là, viens. Thibaut, c'était pas un élève aussi à l'aise qu'on pourrait l'imaginer. Les autres étaient persuadés qu'il était tout le temps tranquille. Il admirait même un peu, je pense. La vérité, c'est qu'il était plutôt angoissé et pas du tout sûr de lui. Est-ce que c'est pour ça qu'il buvait? Peut-être. C'est pas le genre de choses qu'on peut voir pendant les cours. We'll be right back.
Elle m'a dit qu'une fois après une soirée, Thibaut s'était énervé et il l'avait insulté. Elle a eu peur. Il s'est excusé après. Mais je voyais bien que c'était plus pareil. Elle a plus voulu en parler. Tu crois que je t'ai pas vu avec ma meuf? T'es toujours là à nous tourner autour. Je suis sûr que t'étais trop content quand t'as dansé avec ce type. Putain, tu racontes n'importe quoi. Tu vois bien qu'elle est pas bien. Elle a le droit de danser avec n'importe qui. C'est pas mon problème, hein. C'est parce qu'elle a même pas dansé avec toi. Danser avec moi? Tu dis n'importe quoi. T'as trop bu, ça se voit. J'ai à peine bu que deux verres. Ça y est, on commence. Viens, on part, tu veux plus de ces conneries-là. Toi, tu restes ici, tu bouges pas. Tu le parles pas comme ça, ok? Je lui parle comme je veux. Viens, viens, on part, c'est bon, là. Si tu pars, c'est plus, même plus la peine de revenir. C'est bon. Non, t'es pas con, j'ai rien fait. Faut que tu te calmes. T'as trop bu. Je t'ai rien demandé. Si je le rattrape, je le tue. Arrête de déconner, merde. Tu as fait une connerie dehors. Et vous allez arrêter de me faire chier tous, oui? Je sais ce que j'ai à faire. C'était mon meilleur pote. Il s'est jamais rien passé avec sa meuf. Je le comprends pas. Elle m'a dit qu'il buvait toujours avant d'aller en soirée. Il était comme un fou. Je l'avais jamais vu comme ça auparavant. Elle m'a dit aussi que il a toujours été violent après avoir bu. Mais je la croyais pas vraiment. En plus, il avait pas l'air du tout bourré. Et là maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer s'il s'en sort pas? Il a toujours eu peur de danser devant tout le monde. Alors, il se mettait toujours à boire avant qu'on sortait. Pour se sentir mieux. Personne ne savait, mais ça devenait de plus en plus compliqué. Et voilà où on en est. J'étais au bord de la route, je m'étais arrêté pour téléphoner. J'ai raccroché tout de suite après pour appeler les secours. J'ai entendu un gros choc. C'était horrible. Le type était étendu par terre. Il avait l'air mort, mais je voyais bien qu'il respirait. Les secours sont arrivés, je ne sais pas trop combien de temps après. Et ils l'ont emporté. C'est là que je me suis mis à pleurer. Pendant tout ce temps, le type de la voiture était planté là, debout. C'était sûr qu'il roulait beaucoup trop vite. Surtout à ce croisement où on n'y voit rien. Il regardait le vélo qu'il avait renversé, le type par terre, le vélo, le type par terre. Après, il a juste dit qu'il s'appelait Thibaut et qu'il l'avait pas fait exprès. On m'a dit que le cycliste était toujours dans le coma, c'est vrai ?